Salut tout le monde, c'est Redfish, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ce sketchbook. Donc je vous présente quand même vite fait le matériel parce que j'ai acheté 2-3 feutres entre deux et puis bon, ça fait une petite piqûre de rappel. Voilà, donc j'utilise cette trousse magnifique qu'on peut enrouler. Bon, elle n'est pas hyper bien faite parce que le scratch est censé arriver sur cette zone là, mais en fait il arrive plutôt sur toute cette zone là. Donc bon, petite critique que je peux faire à cette trousse, mais bon, c'est pas ça l'important. Ce qui est important, c'est le contenu. Donc ce sont des feutres à alcool, sauf ceci et les deux crayons ici. Et ça, c'est des petits marqueurs à peinture que j'utilise pas très souvent, mais que j'aime bien. Ils marchent pas tellement dans ce sketchbook, parce que ça arrache un peu le papier. Et puis sinon, tout le reste, ce sont des feutres à alcool, donc des Copic Chao, qui sont à environ 6€, sauf erreur, ou 5€. Dépend les zones. Et personnellement, j'habite en Suisse, donc c'est en francs suisses que je les achète, donc ils sont plus chers. Voilà. C'est la joie d'être habité en Suisse. Et puis des Pro Markers de chez Winsor & Newton que j'utilise tout le temps en fait. Donc j'adore toutes ces couleurs. Donc je les ai achetées une par une en fait. J'ai commencé avec deux feutres et j'avance au fur et à mesure. J'en ai encore commandé deux là, de couleurs que j'aime. Donc ça va évoluer. Je vais devoir supprimer des zones. Et ça, ce sont des Fineliners de chez Copic, donc qui permettent de faire un line et de passer ensuite au marqueur dessus sans que ça bave de tous les côtés, ce qui est quand même un peu pratique. Voilà. Ensuite, j'utilise aussi des crayons de couleur qui sont des crayons de la marque Carandash, qui sont des supracolores, donc c'est une gamme artiste. C'est pas la plus élevée, sauf erreur, mais c'est quand même une gamme assez, assez bonne, quoi, de crayons de couleur papier. J'en utilise plein, j'ai toute une trousse que je me suis faite aussi, justement, avec des feutres un par un, donc des couleurs qui m'étaient utiles plutôt que de prendre des couleurs que j'utilise jamais dans une boîte complète. Voilà. Et puis, dernier élément, c'est ma trousse d'école, parce qu'il faut savoir que je dessine énormément en cours. Donc personnellement, ça m'aide à retenir tout ça, et puis mes profs n'ont pas de problème avec ça. Ou en tout cas, ils m'ont pas encore repéré, donc je sais pas si je suis extrêmement discrète ou s'ils sont extrêmement gentils, mais bon, ça fonctionne très bien. Donc j'ai des feutres Faber-Castell dedans. J'ai des stabilos, des stylos à billes, des plein de choses en fait. Et j'utilise mon matériel scolaire en fait pour dessiner la plupart du temps. Voilà. Donc on va pouvoir passer à la présentation de mon sketchbook. Donc c'est un sketchbook de la marque Art Création de chez Talens. C'est ou Talens ou Talent, je sais pas. Et c'est gravé là, Art Création. Donc c'est un sketchbook qui m'a coûté dans les, sauf erreur, moins de 20 francs. Oui, c'est moins de 20 francs, ça, je sais que je fais pas d'erreur, mais je sais plus le prix exact. De toute manière, c'est en Suisse, donc ce sera de toute manière plus cher qu'en France, donc c'est vraiment pas cher pour un carnet qui est de format A4. Voilà, donc je vous présente quand même ce sticker magnifique qui a été fait par Stéphanie Pessoa. C'est une fille adorable qui a une chaîne YouTube où elle dépasse juste à peine les 100 abonnés depuis récemment. Donc je vous conseille de tous aller la checker, je vais mettre son nom par là, autour. Parce que vraiment c'est une fille adorable, elle fait des choses magnifiques et elle vend déjà son travail, donc elle s'est lancée dans un shop. Et je veux dire, elle est très investie là-dedans. Et puis elle a fait une tober, elle a fait plein de choses, elle est vraiment adorable. Et puis, mais mon dieu, mais qu'est-ce qu'elle dessine bien! Genre, je suis sur le cul à chaque fois que je vois une de ses vidéos, je ne sais plus parler. Voilà. Donc on va pouvoir passer au sketchbook tour. Donc j'ai pas beaucoup décoré. Parce que déjà il est grand et puis il est rouge, donc c'est une couleur que j'adore évidemment. Et voilà, les deux premières pages je ne les utilise jamais dans ces sketchbooks parce que je sais qu'ils sont, enfin elles sont collées sur 5mm et ça me dérange énormément. Mais bon, bref, le reste du sketchbook est tellement bien pour le prix que voilà. J'aurais quand même une petite review à faire sur le papier parce que j'ai l'impression qu'ils ont changé de papier en fait. Parce que ça m'a fait des trucs avec des aquarelles et des encres que ça m'avait jamais fait dans les autres. Donc voilà. On commence là avec une petite illustration. C'est mon troisième sketchbook, donc si vous n'avez pas vu les précédents, je vous invite à aller le checker. Petite elfe que j'ai faite avant de commencer le sketchbook et que j'ai décollé. Enfin, que j'ai. Non, j'ai décollé. J'ai collé, justement. J'ai numéroté les pages dans celui-là parce que j'avais la place en fait. Dans un plus petit sketchbook, je pense pas que je le ferais. Parce que. Parce que les pages sont trop petites pour gâcher avec un numéro là au-dessus, mais là. Ça empiète pas sur l'espace, donc ça me va. Ça, c'est mon nouvel OC Ewen. Enfin, mon nouvel OC que j'ai créé il y a 2 mois et 1 jour, exactement. Flora, que j'ai redessiné ici, mon OC. Je vais pas faire des commentaires sur toutes les pages, encore une fois, parce que des fois, il n'y a rien à dire, des fois, oui. Ce sont des gouaches, si jamais l'illustration là.
machin, ça veut tout dire. J'espère que vous pouvez bien voir ce qui se passe à l'écran. Donc là, c'était pour un cours d'art visuel, on avait un grand panneau à faire, et sur le panneau, je voulais intégrer des animaux sous cette configuration. J'expliquerai peut-être plus en détail si je fais une vidéo sur les trucs que j'ai dû faire pour l'école. Ça, c'est suite au coup de pouce de Choco sur cette chaîne. Censuré par une fille de ma classe. Donc on m'a dit qu'on n'avait pas besoin de censurer la nudité artistique, donc je ne vais pas censurer tous les tétés que vous voyez dans cette vidéo, de toute façon je suis pas allée très très loin dans le côté sexuel. Là c'est une étude de corps à partir de photos. C'est maigre, effectivement, vous l'avez remarqué. Voilà, donc là par exemple on arrive à... quand j'ai réalisé qu'il y avait un problème avec ce papier, mais je pense pas qu'on puisse le voir. Sur son visage, là, elle a des petits points que j'ai... En fait, j'ai camouflé des petits points créés par le papier avec des petits points que j'ai créés moi-même. Mais sur d'autres illustrations, on verra un peu mieux à quel point c'est un problème. Donc là, on voit bien que ça a gondolé et tout ça, ce qui ne m'avait pas tant fait le coup avec les autres. Mais c'est surtout des choses comme ça où ça passe à travers et c'est, ça m'était jamais arrivé avec les mêmes sketchbooks qui, normalement, sont du même papier. Parce que j'ai rien vu de changer sur le... une espèce de ruban autour quand on achète les sketchbooks. Où il est marqué un peu tout, un ruban en papier évidemment. Il y a des pages comme ça que j'ai pas beaucoup remplies parce que là j'ai fait une version digitale que je pensais coller là, mais j'ai jamais eu le temps d'aller la faire imprimer, donc ben, ça restera vide, ma foi. Ça c'est fait avec du masking tape, je sais pas si on voit, ça brille. Pas grand chose à dire. Ça, c'est une... Comment est-ce qu'on dit déjà? Un sphinx. Voilà. Je vais pas poser beaucoup de questions. C'est un chat ornithorynque volant. Chat ornithorynque. Ornitho-chat. Je sais pas. Nudité encore une fois, un petit totoro que vous voyez peut-être pas beaucoup à l'écran. Et là c'est des vrais végétaux du coup que j'ai séchés. Pour coller c'était galère. À nouveau c'est une vraie fleur. Ça c'est à partir d'une photo sur Pinterest et ça c'est mes mains. J'essaie de plus en plus de styliser des mains. Là c'était de nouveau de la planification pour mon cours d'art visuel, donc vraiment c'est un sketchbook où je fais n'importe quoi. Il y a des pages qui sont plutôt abouties comme la précédente là, et il y a ça qu'il y a visiblement que moi qui comprends, donc voilà. Là j'ai vachement bien planifié d'ailleurs, hein. Il y a clairement des choses dessinées dessus, pas du tout. Là c'est un dessin sur deux pages qui sont assez rares, je fais rarement sur deux pages. Je sais pas, j'aime pas tellement, surtout que le papier est un tout petit peu transparent, donc on voit un peu ce qui se passe derrière, et bref, j'aime pas tellement dessiner sur les deux pages du carnet. Mais bon, là je l'ai fait parce que ça donnait bien. Voilà, petit arbre, des petites fées comme ça, petites fées de forêt que j'ai un peu designées comme ça, c'était marrant. Ça c'était pour la première vidéo de Je dessine vos OC, le C de Couli. Pour un dom dessin, planification de vidéo, vous voyez que c'est vraiment très abouti comme croquis. Pas fini, j'aimais pas, voilà, ça indique tout. C'était Ellie, si jamais. Là, je suis allée dans un style que j'aime pas tellement. J'aime bien le fond, mais j'aime moins la forme du visage, je la trouve un peu trop enfantine. Je sais pas, je retravaillerai peut-être un truc du style, peut-être pas. Je préfère un style un peu plus mature comme ça. J'aime beaucoup ce dessin, mais il me rappelle un moment très triste dans ma vie. Pas du tout, en fait c'est juste que mon stylo, mon feutre copique que j'utilise pour faire quasi toutes les peaux, c'est vidé. À ce moment-là, enfin, il n'avait plus d'encre. Donc il m'a fait tous ces traits-là et puis au final j'ai pas pu terminer. Bon alors, au final je l'ai rechargé, comme ça je peux maintenant refaire des peaux. Mais voilà, il est arrivé au bout. Référence à des paroles d'un opéra. Symbarique flottante, on s'est demandé ce que ça voulait dire et ça ne veut rien dire, c'est dans aucun dictionnaire, même les dictionnaires de la langue française, donc ceux de base de l'histoire de la langue française, donc avec des mots qui n'existent plus, ça n'a jamais existé. Voilà, d'homme créature, dessin non abouti, croquis on va dire.
Ça, c'était l'OC de Ethan. Donc j'ai fait un premier sketch sur mon livre, il y a des problèmes au niveau du bras, enfin bref, j'ai corrigé dans la version finale. Et ça, c'est le WAPS, donc je sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont vu la vidéo que j'avais postée. J'avais posté un speed painting de cette chose sur ma chaîne, mais sur ma tablette en fait j'avais fait. Ça rendait assez mal, j'étais pas très contente du résultat, donc j'ai supprimé la vidéo et puis je vous referai du contenu un peu plus agréable à regarder. C'était juste pour vous poser des questions. Donc si vous avez des conseils à me donner sur des logiciels de pour filmer des écrans d'Android, volontiers. Sachant qu'à Noël je vais sûrement avoir une tablette graphique enfin et Photoshop pour faire des trucs. Voilà. Ça, c'était la liste d'Inktober que j'ai pas pu terminer à cause de trucs pour l'école que je montrerai sûrement dans une vidéo aussi. Enfin, je pense que je vais faire une vidéo consacrée à ce que je dois faire pour l'école, ce qui est quand même vachement différent de ce que je fais pour moi. Ça, c'était pour l'OC d'Ariawa. Alors, ça, c'est vraiment trop compliqué à vous expliquer, mais ça va se retrouver dans un jeu qui s'appelle The Bending of Isaac, si vous connaissez, c'est marrant. Ça va être un pote qui va modder, enfin bref, si le projet aboutit, ça va donner quelque chose, ça va être marrant. Ça c'est Ewen du coup, le même mec qu'au tout début du livre. Et ça, je me suis dit peut-être sa sœur, mais au final je me dis que non, c'est juste random dessin. Donc sur les dessins d'Inktober, j'ai fait une vidéo complète dessus, donc je passe assez vite. Sauf les derniers d'Inktober, enfin les derniers que j'ai faits. Là, j'ai pas continué la page, j'ai laissé comme ça, je trouvais bien ce dalmatien. Donc ça vient d'une photo qu'il y avait dans un journal, et l'homme à côté, qui est un vétérinaire qui lui tenait la patte ici, est à peu près de cette taille-là, donc minuscule à côté du chien qui était vraiment énorme. Ça, on m'a dit qu'elle ressemblait à Raven. Pourquoi pas, et puis ça, ce serait changeant, mais je sais plus, mais enfin moi elle ressemble à Raven, c'est juste le seul détail que j'ai mis, que en fait c'était son bras qui se transforme en serpent, enfin bref, mais ça pourrait être ça. Je me demande si c'est pas mon inconscient qui a fait ça. J'ai une migraine sans nom, vous avez pas idée. De nouveau Ewen qui s'est fait piquer par une bisouille. C'est une pseudo-abeille, je sais pas pourquoi j'ai dessiné ça. Ne me posez pas la question. Ça c'est la gare à Martigny, parce que j'habite en Suisse, donc c'est une ville en Suisse qui est un peu plus bas dans la vallée que la mienne. Et j'attendais sur le pied de gare et puis ça, puis, du coup j'ai dessiné. J'ai gribouillé quoi. Ça j'ai fait dans le train, c'est pour ça que je suis pas très abouti. Ceux qui savent, savent. C'est une fille de ma classe, si jamais. Ouais, des dessins Inktober, Inktober, Inktober. De nouveau des doodles en classe. De nouveau mes mains que j'utilise de plus en plus. Là, j'ai moins fait les ongles. Et je me suis amusée à faire les articulations visibles. J'aime bien accentuer les articulations avec ces machins. Je sais pas tellement. Ça me vient d'un truc, je crois dans une vidéo de Choco, elle avait montré ses inspirations, des artbooks. Et j'avais vu un truc du style, ou je sais plus, il avait juste fait des genoux qui se terminaient, puis un point en dessous. Et j'ai commencé à faire ça avec ses traits au milieu, et depuis je l'ai fait tout le temps. Ça, c'est une fille sur Instagram qui est trop belle, et j'avais envie de la dessiner. Un peu superficielle évidemment, comme toutes ces filles, mais j'avais envie de la dessiner, donc voilà, me jugez pas. Faisait des poses sympas aussi, ça m'entraîne. Ah, là on voit pas mal par exemple ce qui m'est arrivé avec ce papier. Ah là là, on voit pas très bien. Ouais voilà, les taches grises au-dessus. Ça, c'est pas du tout normal que ça fasse ça et ça m'avait jamais fait ça avec les autres. Donc ça me frustre en fait. Mais bon, moi maintenant je sais que faut plus trop faire. Ça me frustre quand même beaucoup en fait. On s'était arrêté par là sur Inktober. Non, non, je sais même plus où est-ce que je m'étais arrêté dans la vidéo. Enfin, généralement c'est marqué au-dessus le jour où c'était et puis le nom.
Elle, j'ai vraiment galéré avec la fatigue pour la faire, j'en pouvais plus, j'en pouvais plus de faire des trucs et j'ai un peu galéré à la faire en me concentrant à pas faire un line pourri et tout, genre vraiment. Ça c'est Ponyo, dans ma version adolescente, je sais pas. Ponyo d'un des films de Miyazaki, Ponyo sur la falaise. Un random ange, alors là j'ai eu une critique de mon frère qui m'a vachement vexée. Il a pas compris qu'en fait c'était les cheveux qui partaient derrière l'aile et puis qu'on voyait du coup de nouveau devant. Je me suis vexée, j'admets. Des champignons avec... comme c'est de l'encre qui est... pas permanente, celle que j'utilise, c'est une encre chinoise, je saurais pas vous dire le nom parce que c'est écrit en chinois sur la boîte, il n'y a vraiment pas de version écrite pour que ce soit lisible pour moi, donc désolé. Mais ça me fait des taches comme ça du coup quand j'ai le doigt un peu humide dessus. Là on m'a dit que c'était un des meilleurs trucs que j'avais fait alors que je ressens rien de particulier. Enfin, je suis assez contente du résultat mais c'est pas un plus grand œuvre je trouve, et là il y a des gens qui m'ont fait des hyper bons commentaires et tout, j'étais là bon bah ok merci. Et de nouveau ce problème de taches grises, ça c'est moche donc on va en passer. Là j'avais fait un dessin horrible donc j'ai camouflé avec un poisson, voilà. Donc ça c'est de l'acrylique, de nouveau un jour d'Inktober. Donc ça c'était le jour, c'était Firefly. Et je me souviens plus du nom du jour, mais enfin bref, voilà. Donc moi je me suis dit, mais en fait je sais pas du tout à quoi ça ressemble une luciole en vrai. Genre vraiment, à quoi ça ressemble, c'est pas juste un point de lumière en fait, c'est un insecte. Je savais que c'était un insecte. Mais je savais pas que ça ressemblait vraiment à un cafard avec le cul qui brille. Genre vraiment, j'étais trop déçue quand j'ai vu le machin. Et du coup j'ai pas réussi à faire quelque chose de poétique. Donc j'ai fait ce machin que je m'imaginais dans ma tête. Enfin, dans ma tête c'était juste un point qui brille, genre un insecte, mais c'était censé être un insecte. Mais je me disais pas que ça pouvait être horrible parce que c'est trop mignon des lucioles normalement dans ma tête. Enfin, résultat voilà. Ça c'était pour les 39 000 abonnés de Ukairu que je vous invite à aller checker sur Instagram. Elle est magnifique déjà comme fille, elle est vraiment trop chou. Elle dessine mais genre tellement bien et elle a demandé qu'on redessine son OC qui a les cheveux qui grandissent au fur et à mesure de ses émotions. Et voilà. Au fur et à mesure de ses mauvaises émotions déjà. C'est Mitsuko qu'elle s'appelle. Ça, c'est ma contrebasse. Donc pour ceux qui ne savent pas, je joue de la contrebasse. J'en joue depuis 10 ans. Et là au niveau ordre de grandeur elle est plus grande que moi, donc elle fait environ 2 mètres avec la pique allongée. Aucune blague s'il vous plaît là-dessus. Et et voilà, j'ai dessiné ma contrebasse et je suis assez contente du résultat parce que vous seriez surpris mais c'est difficile de dessiner ce genre de trucs qui sont symétriques mais qui en perspective ne sont plus symétriques. C'est assez couillu comme machin mais je suis contente du résultat. Ça c'est en même dessin avec un truc de chez Meyer. C'est une boîte de guimauve à la base. J'ai découpé parce que j'ai trouvé le même truc magnifique. Ça c'est quand j'ai expliqué aux gens sur Instagram que en fait j'ai arrêté Inktober parce que j'ai réalisé très tard que j'avais énormément de trucs à finir pour mes cours d'art visuel à l'école. Et du coup voilà, ça c'est la planification de ces machins que je vous montrerai sûrement en vidéo du coup, comme j'ai dit plusieurs fois. Et puis... ça c'est Amélie dans ma classe, elle est trop belle. Elle était comme ça dans la classe d'art visuel, donc j'ai dessiné. Flora. Là c'est un nouveau truc pour l'art visuel de nouveau. Random Doodles. Un portrait que j'ai fait, je précise, sans modèle. Donc je voulais tester un petit peu mon niveau de réalisme juste en me faisant l'image dans la tête. Et pour une fille un peu asiatique, ça donne ça. Et voilà, on arrive sur la fin. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui est plutôt longue jusqu'au bout. Et je vous souhaite tous une très bonne semaine jusqu'à la vidéo de la semaine prochaine qui portera très probablement sur comment commencer un carnet en fait. Random carnet, dans quel état je me mets, état d'esprit je veux dire, je me mets quand je veux commencer un sketchbook et quand j'ai comme objectif de le terminer.
je vous expliquerai un petit peu ma démarche plutôt, comment je m'y prends et tout ça, et puis les conseils que j'aurais à vous donner pour réussir à tenir un carnet en fait. Voilà, merci beaucoup et puis à la semaine prochaine.